tâche ne pouvait être plus dure, plus ardue, car il s'agit de gérer la santé de la communauté. Notre équipe a souffert dans sa gestion, car dans la continuité, il faudra payer près de 6 millions de dettes tout en faisant face. Les années 2018 et 2019 se sont déroulées dans des conditions très, très, très difficiles. Et comme pour augmenter notre souffrance de COVID-19 en 2020, à l'instar de tout le système de santé a fini par s'imposer comme nous l'avons tous vécu. Ce fut dur, mais avec la clairvoyance, la persévérance et une gestion rigoureuse, nous sommes parvenus à quelques résultats palpables. Je voudrais pour cela remercier tout d'abord Madame le maire pour cette confiance à ma personne. Remercier tous les membres du comité de développement sanitaire qui ont toujours partagé. Remercier tous les membres du conseil de direction dirigé par Monsieur Habibullah Ndiaye. Mais aussi tous ceux avec qui je collaborais et en premier lieu le médecin-chef avec qui j'avais noué un climat de confiance mutuelle dans le strict respect de ce qu'il nous dit, à savoir la bonne marche du centre de santé. Remercier le personnel médical qui a toujours fait preuve de compréhension, même dans les moments les plus difficiles, car une nouvelle réglementation a changé subitement le quotidien des agents communautaires. Je voudrais aussi remercier M. Gorgui Faye, ex-superviseur du district, pour ses conseils qui ont toujours été d'un apport considérable. Mais je voudrais aussi remercier Madame Mariama Diaw pour sa disponibilité. C'est très important. Mariama Diaw est une femme très disponible dans ce centre. Alors, par des conseils qui nous ont toujours servi, nous permettant ainsi d'améliorer notre gestion. Nos remerciements vont aussi au conseil départemental pour une ambulance offerte au moment où le besoin se faisait sentir. Nos ambitions étant très grandes pour le centre de santé, relever un défi reste notre credo des matériels. Ainsi, nous vous livrons ici les quelques réalisations du CDS, étant entendu que l'homme mourra toujours avec ses projets. La première action posée a été d'acheter une radio dentaire pour une valeur de 3 millions de nos francs. Comme pour régler le problème du cabinet dentaire, le comité du développement sanitaire a acheté un compresseur d'une valeur de 400 000 francs, un coulteur d'une valeur de 5 millions de nos francs, un ionogramme sanguin d'une valeur de 3 500 000 francs, une centrifugeuse d'une valeur de 400 000 francs ont été achetés pour les besoins du laboratoire. Dans le souci de satisfaire les malades, la collaboration avec la Bio-Amérique de Kaolack permettait le traitement des analyses qui n'étaient pas à notre portée. Mais aujourd'hui, le centre de santé peut se passer de la Bio-Amérique de Kaolack car les matériels appropriés sont sur place. Des climatiseurs au laboratoire, à la salle radiographique, à la pharmacie, à la salle échographique, au cabinet dentaire, à la salle de tri, à la salle de consultation des sages-femmes, à la salle de dépôt des médicaments du centre de santé, mais aussi à la salle de garde des pavillons, ont été achetés pour un coût global de 2 150 000 francs. Les gardiens et les chauffeurs, l'élargissement de la salle des tickets pour éventuellement une informatisation des tickets et des médicaments ont coûté 2 150 000 francs. Le centre de santé, après des critères de performance qui ont tourné à notre faveur auprès de la région médicale, nous avons pu avoir un groupe électrogène qui malheureusement ne pouvait régler les problèmes du centre. Ce groupe nous a coûté 450 000 francs. Le centre de santé a bénéficié d'un don d'un groupe électrogène et d'une radiographie dans le cadre du COVID-19. Les plombs d'une valeur de 2 500 000 francs ont été financés en partie par la municipalité à concurrence de 2 300 000 francs. Le placement des feuilles de plomb d'une valeur de 600 000 francs
a été financée par le FEDCEDES. Ainsi, la salle devant recevoir la radio a été mise à neuf, avec le carrelage du sol et des murs. Pour une sécurisation de la salle, des portes, la réfection des toilettes, sises au pavillon, combinée à une chambre, nous a permis d'avoir une cabine pour permettre mettre les malades dans un certain confort. Les toilettes communes au pavillon ont été également mises à neuf avec le carrelage du sol et des murs. Notre relation avec l'ENABEL a permis la rénovation de l'ensemble de la maternité. C'est cette situation d'ailleurs qui nous a permis d'avoir une cabine au pavillon qui de tout temps a été une revendication de la population. Ceci étant, l'ensemble des pavillons a connu un visage nouveau pour le bien-être des malades et de leurs accompagnants. Le comité de développement sanitaire a pensé aussi aux ordures dans le centre de santé. Ainsi, un système de ramassage a été mis sur pied et les ordures acheminées dans un incinérateur construit pour la circonstance. Quant à la morgue, elle a souffert de sa vétusté. Des moteurs ont été achetés à maintes reprises, mais l'état du compresseur laissait à désirer. Un généreux donateur en la personne de Alpha Ousmane Sy a acheté deux climatiseurs, repeint les murs, mis des vitres aux portes et fenêtres permettant ainsi une climatisation au mois de septembre 2021. Alors que nous pensions être autonomes financièrement, un court-circuit dû à un oiseau sur les fils de haute tension qui est à partir de l'hôpital, réduisant ainsi notre économie au néant. Ce court-circuit n'a pas épargné la cabine électrique et le groupe électrogène, puisqu'un compacteur d'une valeur de 700 000 francs et quatre compacteurs d'une valeur de 200 000 francs chacun ont été endommagés. Aujourd'hui, pour un redémarrage normal du groupe, il faut trouver le compacteur distributeur du courant et trois autres compacteurs. Le compteur qui effectuait la plupart des analyses n'a pas été épargné. Ainsi, la carte mémoire a été endommagée et sa réparation nous a coûté 475 000 francs. Par la grâce de Dieu, nous sommes remis de ce sinistre qui nous a tant affectés. Projection. Nos ambitions étant très grandes pour le centre, nos souhaits seraient la délocalisation de la morgue vers l'angle sur la route de Hachou. Cela permettrait un contournement pour la levée des dépouilles. Sur cette même lancée, la construction d'une salle de réunion est devenue une nécessité car l'actuelle salle est très étroite pour accueillir des rencontres. La construction d'une salle de conférence est aussi une de nos préoccupations. Aménager tout autour de l'hôpital des allées permettant la libre circulation des voitures et des personnes reste aussi un de nos principaux objectifs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les conditions étaient très difficiles. Trop. Ouais, Covid bi ñeu presque yok affaire yi. Ñu nekk ci mais alhamdoulillah jotone nañ sax den ci xaliss bu xawa takku sax bu en certain moment ci bir navette bi ben picc mo ñewon taxaw ci kaw fi yak lepp lu nekk ci bir alhamdoulillah amul lu fi yakul même ampoule yepp lak li nekkon yepp ci keur bi yepp lañu genné defat lepp encore li bok na ci li ñu gëna sonal fi mu bëgg terminer rek moy centre santé bi waxna ko ci commencement ñun ñoko bok ah man de defam jikko bi mam lepp lu ma mën ci doxal bu ci nek xalatu mako sax parce que man bëgguma échec bëgguma mo tax ma bëgg képp ku fi ñew ah na nga gorgul de té na nga disponibilité bi defam solo. Il faut que tu sois présent au quotidien des agents là. Ils sont là. Problème yang ci hôpital bi. Bu ñu jël comité de santé bi rek dem taxaw fé. Non, c'est pas possible. Je vous le jure, c'est pas possible. Nous bon président bi ak trésorier bi qui soit des gens d'abord disponibles. Parce que suñu waxanté deug nak
ah gis nga man ni à un certain moment dama don baye parce que li ma don gis xawmako dama don baye mais yalla dimbali ñu ja docteur ja mi ñew di mako gisse mi doxal manako ki suma ko gugge fi ak un an hôpital di mën ñu ko cité ci région bi di mo taxone mané encore defal ndank je vais tenter ma chance avec docteur Dia yalla xamna né li la sinon bu non dur kete mo ma indi ci ma jema sax pour sama kaddu duma xalatou mako ça veut tout dire nak je m'arrête là ngén bal ma ak rapportu secrétaire exécutif biñu def amna aussi ay kéd yi nga xamanteni mom lay ni jallalé donc sur ce je déclare officiellement dissoute le comité de développement sanitaire bi fi nekkone donc man ak samay natane on va se retirer donc du tiagne itam bi mu présenter amna yo xamanteni bëgg ngeen ko laaj wala am nga yo xam bëgg ngeen ko xam am nga yo xamanteni itam bëgg ngeen ko mu apporter len ko pour plus de clairvoyance motax dañ leen di bayyi ak ñom donc pour une durée de 15 minutes à 20 minutes bu noppé ñu ñëwaat ci bir lool itam bu fekké seen bir amna ño xamanteni dañu bëgg présenter wu comme li ma ko waxé signal ben ba rek consensus li ñu prôner ñu dem ñëw fekk ñu né ñu préfet ñi yok ñi ñi li ñu choisir mo ñu gënal fouf que ñu indi suñu urne ñu nekk di voter donc vraiment ñi ngi voté à la responsabilité de chacun lo xamanteni manes naka wax ci bir nek bes ko fassal kan ci penj bi lolo tax ma may len la latitude ngeen waxtan donc je déclare officiellement le comité de développement sanitaire dissoute donc on vous donne une durée de 20 minutes après dinañ ñëwaat merci. Entreprend une médiation entre ses membres. En cas d'échec de la médiation et de dysfonctionnement de nature à entraver le comité de développement sanitaire, la dissolution du CER est prononcée. Le CER de circonscription administrative compétente met en place un comité ad hoc de 3 personnes chargées d'assurer le rôle assigné au CRS jusqu'à l'élection de nouveau secrétaire exécutif dans un délai de 6 mois. Article 53. En cas de blocage dans le fonctionnement du secrétariat exécutif, le chef de circonscription administrative compétent met en œuvre une médiation entre ses membres. En cas d'insuccès, la dissolution du bureau du secrétaire exécutif est prononcée par un arrêté motivé du chef de la circonscription administrative compétente. Le chef de la circonscription administrative compétente met en place un comité ad hoc de 3 personnes chargées d'assurer le fonctionnement. Donc, ce qui est dit, c'est que nous avons autorité administrative en relation avec MPD. Fait que MTD de toutes les autorités administratives, de quoi préfet. Ni à Hamel, ni à Momi, pas le secrétaire exécutif d'Oru. Parce que moi aussi, je suis Amwal. Tant que c'est l'IRNA, mon orientation responsable de sécurité, de l'an mois de l'homme, tant que l'IRNA, moi orienté, je fais une politique de Hamel, de sécurité, de Hamel, de l'Ajemelé, du centre du Canada. C'est dit, ni l'or, vous faites que mon record constaté. Mon des rencontres autorités administratives. Autorités administratives, je décris le maïnov. Mu jël ben arrêté motivé mu dissoudre ko mettre en place du ko neex parce que les membres du comité sont choisis en dehors du secrétaire exécutif de façon discrétionnaire par le chef de circonscription administrative, c'est-à-dire préfet mom moy xol ko neex mu dissoudre comité de développement sanitaire tek fa ñi ko neex bu fekké dafa constater ni que CRS bi ni mo waron doxé dox té lool yaakaarna ci ak waron ci ak da fondamentalement li ñi soxla
parce que choono biñ ci def yépp ngor séle batay amna ko ma ci wax ni mom midi batay lekk li moko li mako waral ab sékkel lo wa li nga waral moy dafa mom li ni daf ka jaral day nga di ñëw fi guddi ci am ñu wara ñibbi tayi ñu installé bureau ba paré suba ñu soxlé wala soxlé réunion wala wala ñu soxlé ben réunion exécution du fi nek lolu ñun ñi sax kilifa dinañ ci charger wu tay dinañ ci bay suñu wax wa nak yeen élu yi nga xamanteni assemblée générale bi yeen la fal yeen la am wolité ngal la ngir nga xamanteni am nañ ko wolité secrétaire exécutif trésorier ak commissaire au compte ngeen am wax ma dëgg yalla ñambaaru di assister nak kat bu len fogné sen bop ngeen ko defal mais ça va au delà defal len sen bop malade yi ñew di dag ci ci témer malade yi ñew sen biir di met malade yi ñew sen tanki di dag ñom ngeen koy defal len sen bop li nga xamanteni lool mo lekk ñun lool duñu def té ñun mo suñ travail au quotidien ndax amuñu samedi amuñu ci amuñu férié non ni ngeen la autorité sanitaire yi même forum civil même police action ñepp lool ñepp actuellement donc waxuma di yaa dañ leen ñaax ci lool non té tay ji ni kenn ku ci nekk boy sét liggéey bi dañ tay japp préfet ñewul sorti même tok di xoxaliku MCD monsieur le maire forum civil kenn ku nekk day nek donc kenn ku ne da nga ñew def travail nga xamanteni parce que lutax parce après ñun ñepp suñu bop lañ ko defal ci ak ñu gëna bu tax ñu won dañu yalla ñu ngi leen ci soñu bu baax di aussi vraiment di sant aussi suñu délégué de quartier ci dal bi bi ñu am ndax sama tank ciow lu ñuy bari bari ñu bayone tek dal c'est normal c'est pas pour rien ñu jire dekk ndax ak kilifa dafa am lo xamne ngay xaar ci ñoo vraiment monsieur le délégué ñu ngi leen di sant di len jaajeufal di len wax ni sant nañ ci ba di remercier nos vaillants vraiment forum civil ñom ça sonne et c'est le lieu de les remercier ça sonne lu xew ils sont là et dama gëna merci ñom ils apportent une contribution positive en toute chose donc néw ñu fi rek pour consommer vendredi sama téléphone limu sonné kenn xamul limu sonné limu do vendredi ba lundi kenn ku ne fu ne ñu may wo préfet comité de développement CDS préfet texte lila etc ma yegg ni donc amna ben engouement bo xamanteni et lolu sax plaisir koku waré na ni vraiment ak ñu gën ni néw amna lo xamanteni yittel ni amna mo waron tay yi sank docteur ñu may wax mo ne may préfet moy association bari la mané ko no may kenn ku ne ñu xéxal té lolu moy démocratie donc vraiment ñu ngi leen ci sant bu baax di ñaan aussi yalla sam gën ni néw sam askan gën ni néw képp ko xamanteni bayina ci yitt ñoo dox ko fi yalla la yalla bindal giw yalla la yalla defal sukkuro yalla la defal jamm legui nak je m'adresse au bureau je veux dans les 72 heures ngeen yone ma le procès verbal le bureau bien mettre en place dans les 72 heures war ngeen yone le procès verbal ma lire len yi tamit décret li ngi wax ci buñu xatte ba installer comité de développement sanitaire buñu xatte ba def comité de développement sanitaire oko nga juridique bobu li len kay may moy da ngay di constituer de la même sorte que ni déposer association déposer wow le CDS la déclaration préalable se fait par lettre du secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire article 45 mou nga bind élu par l'assemblée générale constituée adressée au gouverneur de la région qui est compétent pour délivrer le récépissé de déclaration d'association donc déclaration bobu yow secrétaire exécutif yow ya ngay bind nga adressé au gouverneur pour ngeen am ben reconnaissance juridique boko adressé gouverneur am lu mi andal toutefois le dépôt du dossier peut se faire auprès de l'autorité administrative la plus proche. Maintenant, on va venir au préfecture déposer. Dossier, il va comporter deux exemplaires de statut, deux exemplaires de procès verbal de l'Assemblée générale, moi, je vais le deux exemplaires de la liste des membres du secrétariat exécutif, indiquant leur identité, leur qualité et leur adresse. Madame Yao, le secrétaire exécutif, c'est le trésorier général, avec un adjoint. Un rapport technique de responsable de la formation sanitaire, l'ORU. MCD mom mo kay def bo rapproché aussi wa mom dina ci wax le chef de la circonscription administrative de commerce délivre au secrétaire un récépissé de dépôt de dossier de déclaration donc bo ñëw sous préfecture bo déposer ñu dañ lay la jox ben récépissé de déclaration légui nak bu fekké da nga tok 3 mois doto go sa récépissé à mon vieux comme récépissé de préfecture dox bo bex da way récépissé en attendant les diam parce que l'ordre administratif day faram diam donc lool mo wi xamanteni mom lay ki commissaire au compte yen vraiment c'est ligué aussi dafa am solo parce que aussi da ngeen bok ci pour contrôler l'exploitation et le suivi des rapports semestriels des commissaires aux comptes di xol nak di faire contrôle du
sur le comité de développement sanitaire. Il y a une dernière contrôle le comité de développement sanitaire. Il y a une commissaire au conseil. Nous sommes sur tarifi. Nous sommes sur la force cimentière de Khamantini. Nous sommes sur respect des règles principales en matière de gestion des ressources. Donc, les plus Khamantini, on ne peut pas parler. Il y a une commissaire au conseil. Il y a un cas de Tchaïto. 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 Il y a un cas de MCD. MCD, nous avons un cas de Tchaïto. Donc, là, on a un cas de Tchaïto. Je pense que l'air, donc conseil de direction, il y a un maire, un maire, conseil de direction, le maire, moi, désigné. Conseil de direction, il y a un trésorier général, etc. C'est une union, il y a un conseil de direction. Donc, là, moi, je suis un maire, 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 je suis ci ñëpp ak yi di ñëw yalla ñaa defal jamm dafa def samblé bu baax baax donc bala ñu dem ñu ñaan ñu